Jeudi à lundi 8 octobre 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la carbone capable pour première sortie. Téléjournal là pour semaine, si là d'ores et déjà, nous souhaitons tout le monde passer une excellente semaine, mais surtout une très bonne semaine d'information sur télévision nationale d'Haïti. Rapidement, nous avons au principal point cap, essentiel, journal là pour matin, pour nous faire connaître divers dégâts enregistrés dans la région nord-pays pour des passages tremblements de terre. 6 octobre là, 9 mounes a perdu la vie d'après premier bilan protection civile communiqué. Président République la Jovenel Moïse qui était hier avec le chef gouvernement Jean-Henri Seyon et puis divers membres cabinet visité commune Port-de-Paix avec gros monde dans l'idée pour capable constater dans quel niveau dégâts il y a. Et puis, ministère de communication avec culture mandé à toute institution nationale ou internationale qui t'a voulu porter aide by victime pour passer par protection civile une façon pour arriver à joindre autorisation formelle institution si là qui c'est responsable pour gérer question désastre. Et puis, à l'échelle internationale, nous allons dans le pays Indonésie pour nous faire connaître Indonésie quantité victime continue à augmenter après passage tremblement de terre et puis tsunami d'après autorité. C'est en valet 2000 moun pour Kounia ou ta déjà côté comme cadavre. C'est ensemble pour ça qu'un pilote cap gagne fait essentiel journal là pour matin lundi. N'a pas vite été branché n'a pas tenu dans quelques secondes temps pris s'il pas déplacé. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. N'a pas souhaité tout le monde bienvenue dans développement information. J'ai qu'une d'annoncer là dans un grand titre, nous praler dans département nord-ouest. Tout d'abord pour nous faire connaître divers dégâts enregistrés dans département nord-ouest PIA pendant passage tremblement de terre 6 octobre là. Côté 9 monde a perdu la vie selon premier bilan protection civile mettez dehors. N'a pas vite suivre un reportage ensemble avec collaborateur nous Lunel Jean-Louis qui dans région nord-ouest pour télévision nationale d'Haïti. Un responsable était déjà confirmé le département nord-ouest là spécialement ville Port-de-Paix très frappé par tremblement de terre ça qui passait sous pays d'Haïti dans la nuit samedi 6 octobre 2018 là. Donc qui j'en situation est pour le moment. Nous avons déjà visité diverses localités dans la ville Port-de-Paix. Nous avons eu la chance de visiter diverses maisons tout qui crasaient. Nous avons eu la chance de visiter l'hôpital Beraka dans la zone de la Pointe, côté qui a eu un pile blessé vient prendre la soin. En tout cas, qui sa bilan yé, bilan partiel yo. Donc, dans une entrevue, nous avons gagné avec le coordonnateur technique départemental protection civile là, José Riton. Et bien, il fait qu'on ait gagné plus passé une centaine de monde qui blessé. Donc, il est arrivé à enregistrer 9 morts. Dans 9 mois, il y a 8 là-dedans qui mourent dans la ville Port-de-Paix. Et puis, il y a enregistré une qui mourent dans Saint-Louis du Nord. Faut que moi dise tout, nous avons eu la chance de visiter le commissariat Port-de-Paix qui était vraiment endommagé par ces islands. Ça nous a dit une situation qui crée un pile panique juste dans le moment où nous parlé là dans la ville Port-de-Paix. Faut que moi dise tout, dans la journée dimanche là vers 11h comme ça, le président de la République là qui était dans la tête une délégation qui gagnait là-dedans le premier ministre du gouvernement Jean-Henri Seyon, ministre intérieur Jean-Marie Reynaldo Brunet, ministre de la santé publique là, a délégué départemental nord-ouest là, secrétaire d'État à communication, secrétaire d'État à sécurité publique, directeur départemental ministère de la santé publique nord-ouest là. Donc, ils ont réalisé une séance de travail dans le local Kounan pour discuter sur comment ils pourraient accompagner les victimes. Merci avec collaborateur Lunel Jean-Louis qui est dans le département nord-ouest là pour télévision nationale d'Haïti depuis après passage tremblement de terre 6 octobre là. N'a pas à poursuivre avec information pour qu'on y a nous praler dans Groumon pour une fois qu'on est après Port-de-Paix, c'est Groumon qui c'est commune qui plus touché pendant passage tremblement de terre 6 octobre là, une équipe télévision nationale d'Haïti qui était visité rue Salomon qui c'est une rue qui plus frappée dans ville Groumon, n'a pas vite au suivre. Dortellis family.
J'aime coucher avec toi, Timon. Non, il y a un qui te couche, puis il y a couché en bas votre main. L'aime tant de ton lap souqué, lap souqué. Je prends le moins voyé sur l'épaule, moi. Mais je suis en tombé sous tête, moi. Je suis tombé sous Timon. Il y a des Timon qui couchent à terre. Les Timon qui couchent à terre, je me longe pipiti à d'un deux voisins qui venaient. Je me longe pipiti à un bout de mi qui tombait, la porte là pas encore ouvert. Les portes là, je me fais longer. Je prends une fille, je me souqué, je me lève. Les garçons en lui-même, il y a une série de qui tombait sous deux, il en fait noir, c'est râle, il me râle pour sortir. Ap ranger comme ça et puis me kembe porte qui veut bot chaina même senti qu'elle a tremblé et puis pendant me sent il a tremblé même kembe chaina même me baye blom me dit Jésus maman m'a sauvé mon dame sauvé même c'est poisson c'est chaina me kembe carbon pas me sous lim d'après coucher même m'a pas mettre on gain tasse chaina c'est ça que fait me prendre bon Dieu épanier l'homme avant si me gain ta coucher là mort. Moment l'événement, c'est à peine que je suis rentré, et puis moi, pendant la pour montrer, je suis vibré, je fais un bruit, je suis me faire un bac, je suis pour montrer, pour me sortir, mais quand il a fait un délan, il a plongé. Maintenant, moi, j'ai eu deux petits temps avec maman, j'ai eu un qui était mort sous place, maman était à l'hôpital depuis hier soir, et j'ai eu un matin qui était à l'hôpital là hier soir, j'ai venu avec elle, matin, j'ai eu un travail sans en aller, j'ai retourné à l'hôpital là avec elle encore, le docteur a été presque mis en série de bail, j'ai acheté pour lui, juste pour qu'il y ait un matin là. Alors, son cas qui est étage, sous lui? Oui, son cas qui est étage. Et quand là, c'est, moi, j'étais en bas, j'ai eu l'autre partenaire qui était en l'air. C'est en l'air qui plongeait tout en bas ensemble. Oui, tout plongeait sur le monde. Pour maman, le docteur a été pensé, tête était fonde, gon côté moi là-bas jusqu'à présent. Parce que le docteur a été si tellement grand pile mon âme, il n'y a pas de cas de soin. C'est pensé tout le monde pour aujourd'hui, il a tourné. Mais par rapport à ce qu'on a, il connaît un petit là mourir, bon. Tout à fait bloqué en bas de là jusqu'à présent. Non, beaucoup de monde qui parlait avec, beaucoup de monde. Député a quitté passé là, il était venu garder les bagailles. Et puis il était bon la main, il était dit me prêter en contact ensemble avec. L'autre information dans le journal là pour nous parler dans le grand pays pour nous faire connaître responsable de protection civile dans notre dressé un bilan partiel sur la situation dans la région du pays. Pilote, Bogne et Plaisance, c'est trois communes qui plus frappées pour le passage le 26 octobre. On a permis de suivre. Nous profitons pour nous remercier Radio Télévision Nationale d'Haïti qui, à chaque fois, toujours profiter l'occasion pour capable et ouvrir antenne pour nous-mêmes pour que nous soyons capables de parler comme coordonnateur technique de protection civile dans le département nord. Nous sommes capables de dire, après ce coup-là, que nous connaissons qui passe dans la région nord, là, et dans le département nord précisément, nous avons plusieurs dégâts que nous-mêmes nous avons enregistrés. Nous avons des communes tant que Plaisance, Pilate, Boy, qui sont des communes côté que gagnent en pile maison qui fissurée. Il y a des maisons qui sont endommagées et il y a des maisons qui sont détruites. Et pour blesser, nous avons plusieurs personnes qui sont blessés. Pour seulement commune Pilate, nous avons environ 15 personnes qui sont blessés. Mais en termes de perte en vie humaine, nous sommes capables de ne pas enregistrer aucun cas en perte en vie humaine. Donc, en gros, pour commune nous avons qui sont affectées pour le moment où nous avons parlé là, nous sommes capables de citer Port Boy. Nous sommes capables de citer Plaisance, Pilate, nous sommes capables de citer Commune Tancourt, Quartier Morin.
Mais à part des communes si là nous pas gagné l'autre commune qui enregistre gros dommages. Mais même les pas gagné maisons qui détruites encore qui endommagé dans certaines communes, mais à cause des paniques qui était gagné au niveau population, gagné dans l'autre commune yo, surtout cap haïtien pour que gagné plusieurs monde donc qui était rivé blessé. Donc nous connaît par rapport à 12 janvier 2010, il y a des monde qui t'a vu à Port-au-Prince pour le moment qui a vu dans le nord. Donc ça a créé vraiment une situation de panique totale. Au niveau département nord là. Ça son bilan partiel. Ça on capable de son bilan partiel et côté que ouais, nous là donc c'est coude là donc qui active côté que depuis matin nous là nous travaillons, nous communiquons avec différentes communes pour que nous capable recueillir des données qui parle pas que nous même nous fait un rapport nous élaborer un rapport qui parle dire exactement qui s'est passé dans telle ou telle commune côté que avec appui magistrat nous gain tout vice délégué nous gain comité communal protection civile qui fournit nous des informations qui pourra permettre que donc rapport ça nous capable finaliser dans minute qui venir là pour que nous capable partager là avec niveau central rapport que nous va finaliser ça va dire c'est premier rapport encore c'est premier contact nous avec et autorité encore et niveau hiérarchique nous donc nous parler ensemble avec nous fournir déjà des informations des données et dans rapport que vous même sorti dès un premier rapport un deuxième bilan qui vient sortir rapport que pour département nord a gain certaines informations qui sorti et rapport que nous parle préparer là parle permettre que gain beaucoup plus d'informations pour que dans prochain rapport encore prochain bilan que vous parle sortir donc nous même rapport que département nord a gain des informations qui beaucoup plus donc détail nous capable dire pour le moment avec événement passé là donc gain des monde qui trouve donc à le rejoindre famille gain des pour question tremblement de temps nous va rentrer monde en bas provisoire puisque nous va mettre en bas donc c'est des points de rassemblement donc nous même nous identifier déjà surtout au niveau commune cap haïtien donc moun si là donc c'est des monde qui trouve dans des espaces dans des maisons que eux même senti que eux même plus confortable côté que eux même yo capable rester pour un certain temps avant que eux même retourner dans vie normale. Il y a accompagnement côté pour nous capable dire côté nous là donc c'est rapport donc nous connaît au niveau gouvernement gain des efforts qui déploient pour que donc yo capable river toucher donc différents monde dans population qui river toucher pour département nord c'est sûr que dans jour à partir de jeudi pour demain donc il y a des efforts à partir des rapports donc qui va permettre que on idée de qui zone qui peut toucher et besoin tout qui savent nous gain commune Grand River du Nord nous gain deux églises catholiques qui et toucher à Grand River du Nord nous gain église catholique premier en côté qui gain un mur qui tombé nous gain église catholique qui dans centre ville la même donc gain mur qui fissuré toujours dans commune Grand River du Nord nous gain un boulanger donc qui détruit complètement nous gain une maison qui c'est bon propriétaire le monsieur Victor donc qui fissuré tout mur fissuré nous gagnons tout et l'autre maison encore qui arrivait fissurée au niveau des Grand River du Nord. Mais pour blesser dans la commune Grand River du Nord, c'est zéro. Donc c'est tant de dégâts que nous-mêmes nous enregistrons dans le département Nord et surtout, pas bien que nous disons Pilate, c'est une commune qui peut toucher surtout dans la troisième section qui sera une trompette. Et quatrième, donc nous gagnons. Au niveau de Katimorin, nous disons deux maisons même qui touchent. Nous gagnons une maison qui détruite et puis nous gagnons l'autre maison donc qui clôture donc les mêmes est tombé. N'a pas toujours été dans le département nord pour nous faire connaître plusieurs écoles endommagées dans la commune Pilate pendant le passage de tremblement de terre. Responsable de l'école SAO souhaitait une disposition qui prend dans pas trop longtemps pour permettre d'élever l'école SAO reprendre chemin l'école. Avant longtemps, n'a pas vite au suivant extrait. Ravine tombette, c'est section qui puisse toucher dans l'événement. Ça gagne environ 20 cailles. Ravine environ, bilan partiel, 20 cailles déjà qui détruit, et sans compter ça qui est endommagé. Ouais. Et pour centre-ville, il y a quelques cailles qui sont endommagées. Et en deux sections, à travers toutes 8 sections, il y a pile cailles qui touchent, il y a ça qui détruit et endommagé. Nous avons toute équipe Kazek qui dans la section a fait travail ça de façon à ce que pour venir nous bilan définitif là pour nous connaître qui ça pour nous produire rapport pour nous voyager aller. Toute habitation dans la section a vu tout là. Gagné qui détruit toujours, nous pouvons connaître, mais nous avons une délégation dans toute habitation qui travaille pour produire rapport pour ça pour nous donner. Heure qui a venu là, ouais, sans côté ça qui est endommagé. Mais pour la commune, en gros, toute section est censée toucher. Les 6 ans passés, nous sommes venus sur place que le bâtiment n'est pas endommagé. Mais nous croyons que c'est pas dans la réplique là la nuit là.
parce que c'était une réplique qui passait vers les 2 heures. Nous croyons que c'est là ça que matin c'est l'aime levé que nous voyons l'école là dans l'état ça. Un bâtiment sont là que vous voyez que son bâtiment gagne 12 salles de classe là-dedans. Et il gagne 8 salles de classe qui fonctionnelles, gagne yon participe pour personnel administratif là, gagne yon bibliothèque qui là-dedans, gagne salle professeur qui là-dedans. Pour classe ça, nous pensons que pour semaine ça pas ka fonctionnel parce que n'a pensé n'a réfléchi, mais pour l'autre classe yo dès mardi prochain que kou a prendre pour yo. Alors, mais première urgence que nous avons là, c'est jeter bâtiment. Démolition et bâtiment, et c'est ça que nous avons à ce que le gouvernement fait pour nous le plus rapide possible pour nous capables de sécuriser les gens qui sont sous la cour. Nous parlons avec le président de la République, je viens de annoncer l'ensemble de Titio pour nous faire connaître le président de la République, je viens de l'immuniser à une conférence pour la presse après visiter la commune Paul-Père avec Gros Monde pour être capable de constater des gars. Nous avons noté le président de la République, nous avons le premier ministre Jean-Henri Séan avec divers membres du cabinet ministériel. Le chef de l'État a fait connaître le premier ministre Séan pour rencontrer jeudi lundi un partenaire technique avec le financier pays d'Haïti. On va vite suivre l'intervention du président de la République, Jovenel Moïse. Le ministère de la Défense, il y a un premier contingent qui partit avec des militaires qui allaient pour le porter concours et un deuxième qui est en route. Nous avons premier arrivé déjà. Deuxième en route. Et dans le niveau ministère de la Planification, il y a un pile de travail qui a fait pour que demain, le premier ministre pour le faire rencontre que le gars pour le faire avec nos partenaires financiers et techniques et ONGO pour que planification soit en mesure pour dire que mais qui côté nous y est, mais qui ça qui arrivait déjà, mais qui intervention que l'État a fait et nous-mêmes si besoin a gagner, mais qui besoin que n'a gagné n'a identifié. Et ça est très important. Ministre de la Planification, moi qu'on est depuis matin, il y a à pied d'œuvre pour collecter informations pour le capable de mettre un bon document demain devant le Premier ministre pour permettre que le travail de planification soit fait. Quoi aux haïtiennes, moi qu'on est dans pile d'efforts qui fait, moi j'ai une information, il y a plusieurs pochettes sans qui allaient dans le nord-ouest. Plus précisément dans la ville, pour Port de Paix, nous voulons parler de 17 pochettes qui allaient. Et nous profitons de l'occasion pour nous dire tout le monde, tout donneur volontaire, yo, pas oublier que le sang sorti dans la Croix-Rouge, les al sauvent frère, les al sauvent soeur. S'il n'est pas remplacé, le sang à l'autre frère et l'autre soeur, ils ne sont pas capables de joindre possibilité pour joindre. Sans ça, parce que nous connaissons, c'est la vie. Et à part de direction protection civile là, qui lui-même, qui coiffe tout, qui coiffe Koun, nous voulons parler de centre d'opération d'urgence nationale là, qui n'est pas Port-au-Prince, et nous avons des coudes à travers les 9 autres départements du pays. Koudio, c'est le centre d'opération d'urgence départementale. Nous sortons dans le nord-ouest, là, plus précisément dans la ville Port de Paix. Nous sommes visiter le centre d'opération d'urgence départementale. Nous voyons que monsieur Dame est très actif. D'ailleurs, c'est eux qui ont pied d'œuvre ce département. Hein. Et de Koudio, nous gagnons le dernier centre d'opération d'urgence. C'est Kouklan qui est le centre d'opération d'urgence communale. Là. Que je connais même c'est à travers Mirio et Port-de-Paix, j'ai eu une chance de rencontrer avec mairie de Port-de-Paix. Gromon, j'ai eu une chance de rencontrer avec mairie de Gromon. Et c'est pour ça que je m'ai demandé au Premier ministre pour travail de coordination qui est le fait là, pour que Koukyo soit très impliqué dans le travail de coordination ça, pour le résultat que nous avons cherché, parce que l'État sont seuls liés pour nous capables de bien un résultat. Côté peuple là, j'en ai toujours dit, nous là pour mettre l'État au service peuple là, pour réellement pour l'État ça, pour peuple là qui a un service ici en temps réel. Voilà, tu as suivi un bout d'intervention. Le président de la République l'a fait hier dimanche. Après, il était fini visiter la commune Port-de-Paix, la commune Gros Monde dans la région du pays.
N'importe à poursuivre avec information pour nous faire connaître après passage tremblement de terre 6 octobre 2018 là qui la cause divers dégâts dans région tant que la Tibonite avec nord-ouest et puis nord pays. Ministère communication et culture mandé toute institution humanitaire qui t'a voulu porter aide et matériel à humanitaire bay victime pour adresser à une protection civile avant yo intervenir dans zone qui touché. Puis loin ministère a mandé institution national ou international yo pour chercher autorisation formelle protection civile qui c'est institution qui responsable gestion catastrophe naturelle dans pays a yon l'autre bon ministère a fait qu'on institution PNH la instruction pour camper toute machine qui tape transporter aide sans autorisation écrit direction protection civile d'après une note ministère communication et culture mettez d'ailleurs nous parler pour venir. Nous parlons pour Kounia dans l'actualité internationale là pour nous faire connaître l'extrême droite dans le pays Brésil là fait 46% voyou dans le premier tour élection présidentielle dans le pays Brésil qui déroulé hier dimanche. On a pas envie de suivre un reportage avec Euronews. Au Brésil, le candidat d'extrême droite arrive facilement en tête du premier tour de la présidentielle avec plus de 46% des voix. Jair Bolsonaro manque donc de peu le coup de force d'une élection dès le premier tour. Des résultats qu'il dénonce dans une vidéo publiée sur Facebook. Nous devons croire dans notre pays, nous ne pouvons pas battre en retraite. Nous devons nous mobiliser, il reste 3 semaines avant le second tour. Nous recolher, falta aí 3 semanas para o segundo turno. Tenho certeza, se esse problema tivesse. S'il n'y avait pas eu de problème avec les urnes électroniques, nous saurions déjà le nom du prochain président ce soir. Já teríamos o nome do futuro presidente da República decidido no dia de hoje. Face à lui au second tour, Fernando Haddad, socialiste membre du Parti des Travailleurs. Il obtient 28% des votes, près de 20 points de moins. Il demande aux Brésiliens de faire face à l'extrême droite. Nous voulons unir les démocrates brésiliens, nous voulons unir les gens qui se soucient des plus pauvres dans le pays et des inégalités. Nous voulons un projet ambitieux pour un Brésil démocratique qui recherche la justice sociale. Mais aussi qui busque de forme incansable. Justice sociale. Un second tour qui s'annonce difficile pour Fernando Haddad. Le discours populiste de Jair Bolsonaro séduit les Brésiliens. Dans son programme, il surfe sur leur colère contre la corruption et l'insécurité. Dans le pays d'Indonésie, la quantité de victimes continue un peu augmenter après passage de tremblement de terre et puis tsunami dans le pays là, d'après l'autorité. C'est un valet 2000 personnes qui ont déjà perdu la vie. Pour qu'on y en a pas envie de suivre avec Euronews. Près de 2000 morts. En Indonésie, le bilan du séisme suivi du tsunami qui a ravagé l'île des Célèbes ne cesse de s'alourdir. Les autorités estiment que 5000 corps seraient encore coincés sous les décombres. Dans la ville de Palu, anéantie par la catastrophe, l'école emporte encore les stigmates. Tout le monde met la main à la pâte pour déblayer, ranger et faire en sorte que l'établissement rouvre malgré tout. Nous essayons de faire en sorte que les enfants surmontent ce traumatisme et qu'ils reviennent à l'école de leur plein gré. Certains étudiants sont revenus en cours sans qu'on leur demande, simplement parce que ça leur manquait. Dans les zones les plus reculées, l'étendue des dégâts est encore inconnue et l'aide humanitaire commence tout juste à arriver. La nourriture et l'eau potable manquent, de nombreuses victimes ont tout perdu. Quelques 200 000 personnes ont besoin d'une aide d'urgence. Et avec dernière information, ça que le journal Akaba pour matin lundi, mais juste avant nous aller, nous rappelons ensemble pour qui était fait essentiel pour matin. Divers dégâts enregistrés dans la région du pays après le passage tremblement de terre 6 octobre, 9 personnes ont perdu la vie d'après premier bilan protection civile communiqué. Président République, la Jovenel Moïse, qui était gagné avec le chef gouvernement et puis divers membres d'un cabinet ministériel, là, visité commune Port-Béa-Gomone dans l'idée pour capable constater des dégâts.
Ministère communication et culture mandé toute institution nationale ou internationale qui t'avle pote aide by victime pour passer par protection civile et une façon pour jeune autorisation formelle institution si là qui c'est responsable pour gérer des questions des arts dans le pays. Et puis à l'échelle internationale, nous allons dans le pays Indonésie pour nous faire connaître dans le pays Indonésie quantité victime continue à augmenter après passage tremblement de terre et puis tsunami yo. D'après autorité yo, c'est un valet 2000 mounen qui t'a déjà perdu la vie yo. Voilà, c'était point ça à Campy Lotte qui te fait essentiel le journal là pour matin. On a souhaité tout le monde passer une très bonne semaine et surtout un très bon lundi sur Télévision Nationale d'Haïti. On a invité à rester branché Télévision Nationale pour capable suivre la programmation. Très bonne semaine à tous.